Pascal, c'était la première Coupe d'Europe des amateurs qui se disputent sur l'Hippodrome de Vincennes. C'est un Norvégien qui s'impose. Vous pouvez nous en dire quoi ? C'était une très très belle course et une grande fierté d'accueillir les drivers européens et de faire cette première coupe des amateurs, cette première coupe d'Europe ici sur cet hippodrome avec l'UET, le Trot et l'UNAT. On a réuni les meilleurs de l'Europe et c'était une très très belle course. Alors c'était chaque meilleur driver de son pays qui était représenté ici ? Voilà, chaque pays affilié à l'UET désignait un driver, en général le champion de son pays. Nous en France, c'était Sophie Blanchefière qui est la championne 2013 qui représentait la France et c'est un Norvégien qui a gagné. Est-ce que vous pensez que c'est un signe pour demain ? Je ne pense pas que ce soit un signe pour demain, en tout cas je ne l'espère pas.